J'ai honte. L'Asie est là. Faut pas aller beaucoup plus loin. Un homme est fait pour vivre à une femme. Et pour fonder un foyer, il nous faut un lien. Le lien civil, le lien religieux, au besoin. Dès que moi je vois quelqu'un qui vit à part, qui vit comme un voyou, il n'a pas besoin de femme, mais il a besoin d'une femme le soir. Mais pas de fonder un foyer, je n'ai plus confiance. Ça, c'est ma première opinion là-dessus. Je ne parle pas alors de ceux qui ont le courage de dire, comme le maire de Paris, qui sont des PD. Moi, les PD, ce sont des frères et sœurs qui sont malades, qui sont atteints d'une maladie. Je les fais soigner. Mais on ne peut pas revendiquer l'homosexualité, mais comme étant quand même un droit. Vous voyez, le monde est en train de se perdre. Et les justes, au lieu d'élever la voix, permettent seulement à une minorité de monter. Et demain, ce sera trop tard. Moi, Laurent Gbagbo, président là, il n'y a pas ce PD qui va réclamer son droit d'être PD. C'est faux. Un homme est fait pour une femme pour un homme. Mais pour ceux, il y a des PD au Burkina. Non, dit Laurent Gbagbo, dit frère. Frère Gbagbo, il y a des PD au Burkina. Mais des PD, mais ce sont des malheureux, ce sont des malades. Je m'en fous, ils n'ont qu'à se lever. Celui qui veut aussi, il n'a qu'à me croiser d'homme à homme. Mais c'est une vérité. Je n'ai pas dit que dans l'ancien temps, il n'y avait pas de PD. Je ne peux rien dire. Je ne peux rien dire. Mais vous avez bien compris. Quel est le PD qui revendiquait sa pédérastie-là en public? Non, je vous dis quoi? Dans ce traditionnel. Le sexe même était un tabou.